Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Avez-vous mis votre casque? Vous êtes ici à la scierie de Chertal. Chertal, qui fut un des fleurons du bassin liégeois. Nous nous trouvons ici sur le parc à mitraille. Celles-ci sont de plusieurs qualités. Poids et quantité ont été demandés par l'opérateur de la cornue. L'objet, avec les mitrailles demandées, entre dans le hall de la scierie. Tarte de l'objet, plus ou moins 25 tonnes. Mitraille, entre 40 et 60 tonnes. Ceci est un convertisseur que nous appellerons cornue. Nous en avons trois. La cornue 3 est en pleine action. Par sécurité, nous ne passerons pas devant celle-ci. Nous entrons dans la cabine de l'opérateur, où sont les commandes et les écrans. Une trémie d'addition a été demandée pour l'affinage de la coulée. Exemple d'addition, aluminium, ferromanganèse, coke, nickel, cuivre. La coulée est versée dans une poche. La température de l'acier est à ce moment entre 1620 et 1690 degrés, selon les additions et le temps de séjour de la coulée en poche.
Nous avons ici entre 200 et 240 tonnes d'acier. Une température est prise. La coulée doit arriver à la coulée continue avec plus ou moins 1550 degrés. Un échantillon de cette coulée vient d'être pris et sera envoyé au laboratoire. Après plusieurs coulées, il faut nettoyer les coquilles. Coquilles que nous appellerons le bec de la cornue. Un nettoyage du trou de coulée s'impose également. Une torpille entre dans le hall de la série. Celle-ci contient de la fonte avec une température située entre 1300 et 1400 degrés. Thank you.
180 tonnes de fonte ont été versées dans une poche qui pèse entre 45 et 50 tonnes. Cette poche sera ensuite amenée au stand désulfuration. Cette action consiste à éliminer les impuretés de la fonte. Vous êtes ici dans la cabine de l'opérateur Versage Fonte. Celui-ci va prendre une température de la fonte dans la torpille. Revenons, voulez-vous, au stand désulfuration. Les impuretés de la fonte étant remontées à la surface, il faut maintenant enlever celle-ci. La cornue étant nettoyée, nous allons maintenant passer aux enfournements en vue d'une autre coulée. Nous enfournerons en premier la fonte. Et ensuite, le tour des mitrailles. Voici où était mon poste pendant plusieurs années. Travail que j'appréciais énormément.
Nous sommes ici au nettoyage des poches. Une fois nettoyée, la poche est remise en service pour une seconde coulée. Après chaque coulée terminée, il nous faut éliminer un maximum de scories. Le poids de cette scorie est situé à plus ou moins 30 tonnes. Le camion Norberg va prendre cette cuve en charge. Camion qui peut soulever jusqu'à 100 tonnes. Nous nous dirigeons vers le parc à scories où la cuve sera vidée. Nous avons vu, en gros bien sûr, comment était réalisée une coulée. Le mot de la fin sera: on nous a volé notre aciérie.